c'est Osbike. Il est en partance pour aller chez Kawa Nantes, essayer la Z900 du coup, bridée. Et malheureusement, j'essaie de négocier le full, mais mon dénin n'est pas possible, le permis n'est pas valide. Ah, d'accord. Tu peux tester que la moto bridée. Bon bah ok. Mais on va tester quand même. Ça me dérange pas. Oh putain. Bon les gens, là il y a Z650, là il y a Z1000. C'est bizarre la couleur du châssis. Là, le pot en plus, à Krapovic, ça doit être le kit, merde, le pack performance, je crois. Il me semble que c'est ça, sortie de concession. Ça fait gros, nom de Dieu. Comparé à Mini Z. Hop. Wow. Ah ouais, c'est beaucoup plus gros, bordel. Oh. C'est vraiment étrange. C'est gros, c'est haut. On est comme ça, d'accord. Combien de kilomètres? 39, non. Ah non. Ah, l'accent, 11 kilomètres. Oh, le son, il est vachement étouffé malgré qu'on a un pot à cra. Du coup, oula, qu'est-ce qu'ils font? Oh, vous êtes chauds les gens quoi. Oh, tranquille les gars, c'est pas parce que vous avez des grosses voitures vous pouvez vous arrêter comme des sacs à parler là. Oh sérieux. Ouais, ma grosse voiture, mais moi aussi j'ai ma grosse moto. Non, c'est pas la mienne. Putain, dommage que j'avais pas Z, sinon je lui aurais éclaté les tympans. Vachement haute, mais ceci dit pour l'instant, je ressens pas de ouf le poids. Elle est assez maniable. Enfin pour là. Le peu que je viens de commencer à faire mon petit tour. Ah, l'accent 11 km. Ouais, bah, elle est pas. Oh là là. Elle est toute neuve en fait, la moto. La moto d'essai. Et tu sens un peu le poids quand même. À faire comme la dernière fois. Mes petits slaloms. Si, si, ouais. Tu sens qu'il y a plus de poids. Il n'y a pas à chier par rapport à la. Pourtant par rapport à la CB, je crois qu'il y a 20 kg de plus. Et après t'as les jambes. J'ai les jambes beaucoup plus écartées du coup que sur Z et que sur la CB. Donc c'est peut-être pour ça que ça me donne pas les mêmes appuis, on va dire. Ouais, c'est ça. Est encore en rodage du coup, parce que là ça clignote. Ah, vous voyez, 4500 tours, ça clignote. Il me semble que le rodage fait ça. Ah, c'est dommage. Non, c'est dommage. Je vais pas du coup vraiment l'essayer comme la CB a poussé les tours quoi. Donc c'est en rodage, on va pas faire le fou quoi. J'adore le couple de ma Z, hein. Il n'y a pas à chier, même si elle est bridée, j'adore le couple. Mais les vibrations, je crois que je commence un peu à... Je crois que ça commence un peu à me gonfler, ça vibre. Pas à me gonfler, mais vu que j'ai les douleurs au poignet. Au même endroit j'ai dit ça la dernière fois, avec la CP. Bon, par contre, même si là... Elle est en rodage. Ça reste une moto très... Enfin, tu sens que si tu peux jouer avec les vitesses, ça part quoi. On m'a toujours dit, ouais mais tu verras, un bicylindre, ça... Oui, ça a beaucoup de coupe, ça, je dis pas le contraire.
Mais par rapport à tout ce qu'on m'a dit, tu vas te faire chier avec un 4 cylindres machin. Bah, franchement les gars, ça me déplaît pas moi. Ça me déplaît pas de ouf. Gagole. Sans casque sur le trottoir. Par contre, ça s'entend qu'il y a une chicane. Oh, elle est vraiment haute. Hein. Truc de ouf. Truc de ouf. Bah oui. J'avais pas fait gaffe en partant. Bah les pneus sont neufs aussi. Oui, bah on va pas faire le fifou. Après, ouais, putain, c'est gros quand même. C'est très très gros. Fourche inversée, ouais, c'est ça, comme la CB. Oh, c'est sympa. C'est gros, quoi. Je suis sur la pointe des pieds, en plus, là-dessus. Bon, ce gars... Ce truc toujours aussi moche. Toujours aussi moche. Heureusement que moi, je l'avais viré sur la Z. Petit pot à cra, du coup. Et il me semble qu'ils sont bien chiants à déchicaner en plus ceux-là. C'est faisable, hein, mais c'est ultra chiant, de ce que j'ai vu. Non, sinon elle est magnifique. Hein. Mais elle ressemble beaucoup à Z, du coup, bah, forcément, Kawa. La même ligne. Pas la même cylindrée, mais... Non, j'aime bien. J'aime bien aussi. Mais c'est la grosseur, quoi, qui me... C'est gros. En plus, elle est toute neuve. Ils ont pas peur. Faut faire le rodage dans les règles. Mais déjà, ouais, rien que sur... Bah ouais, tu vois, là, je suis content de me rendre compte de la largeur du 900. La largeur du 900 et... le bruit, bon, voilà, c'est avec le pot à cra. Le petit pot Acra. Non, niveau poids, ouais, c'est pas mal. Je pense que t'as de quoi vachement t'amuser. De toute façon, la version full, moi, que je viserais à la fin du A2, ce serait la 125 et non pas la 95. Si vraiment je pars là-dessus. Non, en tous les cas, c'est souple. Après, elle est neuve, là. Mais c'est très très souple. Ça va. Je m'attendais à pire. Putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien de pas être vibré dans tous les sens. Alors, par contre, c'est abusé. Hein. Si je veux vraiment mettre les deux pieds par terre, c'est mort. Il y en a un qui est sur la pointe des pieds, d'office. Je vais pas m'amuser à toucher l'écran parce que moi, j'ai pas ce compteur-là sur ma Z. J'ai l'ancien compteur digital. Ouais, de toute façon, j'ai vraiment la bride qui se met en place, donc j'imagine à 95 chevaux ce que ça doit donner déjà. Alors 125, on n'en parle pas. C'est... ouais. Je vais faire un petit tour de rond-point pour voir ce que ça donne. Troisième, en tous les cas, ça vibre pas, c'est mortel. Donc je pense que les pneus soient pas... Choix neuf. Mais moi je peux pas faire un gros vroom vroom. Il s'est enjaillé le motard. Ouais, c'est tellement gros, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est ce que j'avais peur. C'est pas une peur que j'ai, mais l'appréhension d'avoir un truc énorme entre les pattes, bah voilà. Je parle pas d'autre chose. De coquinou. Bon bah mon petit pont. On ouvre la visière.
On va laisser elle être moins violente qu'avec la CB. Et là, je vais pas me tromper de sortie cette fois. Fait un beau petit son, tranquille, avec le petit Acra là. Full bouché. Voilà. C'est cool, c'est pépère, hein, vraiment. Ça se conduit tout seul. Salut à toi. Ouais, ça se conduit tout seul, tranquille. Tranquillement. Mais finement. Ah, je sais pas, hein. Franchement, je sais pas quoi penser de cette moto. Le moteur, ouais, même s'il a, il est en rodage, donc je peux pas pleinement profiter. Tu peux pas profiter pleinement. Ça va. T'as de quoi à faire déjà quand même un peu. Mais malgré qu'il soit en rodage, du coup tu peux pas monter aussi haut dans les tours que la CB. Et puis de toute manière, avoir le kilométrage, vous voyez, j'ai pas envie de fumasse le bordel. Ouais, je pense que ça serait fou sans le bridage. Enfin, juste sans la période de rodage, elle doit être folle. Déjà. Même bridée en A2, elle doit être sympa. Moi, je parle vraiment des modèles A2. Hein. Oh, classe. La petite Abarth. Je parle vraiment des modèles A2. Moi, j'ai jamais essayé de full, donc. Vous venez pas me dire, hein, t'as jamais testé un full, tu sais pas ce que c'est d'être satellisé. Oui, bah. Et oh, hein. La seule moto que je pourrais tester, normalement j'ai pas le droit, la seule moto que je pourrais tester sans avoir le droit, c'est un Z1000 d'un collègue, mais c'est toujours pas fait, j'ai pas envie de faire le fifou. Voir le poids qu'elle faisait, la maniabilité, donc là, rouler tranquille, faire de la petite route, les ronds-points, c'est large, largement suffisant pour me donner une idée. Je peux pas envoyer à plus de 4005. Oh, même moi j'ai trop de scrupules à vouloir l'envoyer. Moi je suis hyper je suis précautionné avec les véhicules. Il faut toujours que ça soit chaud, que le moteur refroidisse avant de couper les gaz si j'ai un peu tartiné avant d'arriver chez moi. Non, moi j'essaye de faire le plus attention possible. Donc là, même si c'est pas mon moto, j'ai pas envie de faire le con. Tu vois. Mais en tous les cas, ouais, toujours pas de vibration, donc c'est hyper sympa. Tiens, j'ai oublié le clignotant. Toujours hyper sympa, franchement. Ça, je crois que je kiffe plutôt pas mal le fait qu'il n'y ait pas de vibration. C'est vrai que c'est très plaisant. Oh merde, un feu. Oh fuck. Ah bah tiens, on va tester. Ça donne un roulement très tranquille. Ouais, en dessous de 10, ça veut faire bleu bleu. Mais sinon, ouais, ça va. Hein. Ça tourne. Oh, la grosse vache, par contre, c'est un truc de ouf. Oh, c'est énorme. Compteur très sympa. Total time. Batterie. Ah oui, c'est vrai, tu peux voir la batterie sur ça. Truc de ouf, 127 km. Même en voiture, j'ai jamais conduit une voiture avec si peu de kilomètres.